Yes! Vamos! Ah, celle-là, elle fait plaisir! 3-0. 3-0 à Giron et le Real passe leader, repasse devant le Barça et va s'imposer sur une pelouse qui n'était pas si facile que ça. Giron, j'en avais parlé dans l'avant-match, c'était la meilleure attaque de la Liga. Ce soir, tu lui en mets 3. Clean sheet, même si c'est vrai dans le début de match, et on va en parler juste après, on aurait pu encaisser un but très rapidement. C'est de la mauvaise habitude du Real en ce début de saison. Mais. On va quand même retenir le positif. Tu t'imposes 3-0 avant un déplacement très compliqué du côté de Napoli en Ligue des Champions. On voit le classement. Bah, tu passes devant le Barça et mine de rien, bah, en 8 matchs, tu as quand même 7 victoires avec beaucoup d'absence. Pas de véritable buteur, si ce n'est Rossellou. Oui, euh, vous avez beaucoup frappé et j'ai défendu Carlo euh, sur le coach italien. Mais pour l'instant, mis à part l'Atletico Madrid qui reste très compliqué à jouer chez eux. C'est un sans faute pour ce Real Madrid et c'est quand même très très intéressant. Profitons, profitons et saluons la performance des Merengues. La compo, parce qu'il y avait des choses à dire. Le retour de Vinicius, le Brésilien qui a été décevant, on en parlera en fin de vidéo, faisait son grand retour en tant que titulaire. Après, on était sur un schéma plutôt classique, mais il y avait quand même une surprise. Camavinga, arrière gauche, le pompier de service est de retour. Pas de Mendy, pas de Fran Garcia. Camavinga, et la conclusion, c'est que le Français a été, je ne sais pas s'il a été élu homme du match, mais en tout cas, c'est mon homme du match au four et au moulin, défensivement, ce qu'il ce qu propose, c'est magistral en fait, c'est magistral parce qu'il apporte ce côté athlétique, il est très fort euh, sur l'homme, et vous savez, quand il est arrivé au Real Madrid, et c'est là qu'il a progressé, son jeu, son ballon, était catastrophique. Il avait d'énormes failles de ce côté-là. Il a progressé. Et le Français, mine de rien, il entame sa troisième saison. Et il est tout simplement indispensable à ce Real Madrid. Donc évidemment très content de la perf de Kamavinga. Celle de Chouameni aussi, qui a marqué son premier but. On va y revenir après. Mais c'est cool, franchement, de voir ces jeunes Français s'éclater du côté du Real. Je suis vraiment très très content pour eux. Quand je dis que ce début de match aurait pu tourner au cauchemar comme d'habitude vous le savez il hein, y a une espèce de pas de malédiction mais de mauvaise habitude du côté du Real cette saison c'est qu'on encaisse toujours des buts dans les 10 premières minutes du match et ça te met en difficulté puisque ça t'oblige à en marquer deux autres en 80 minutes pour tenter d'aller arracher les 3 points. Ben vous le voyez sur l'occasion, je crois que le ballon à ce moment-là va frapper le poteau. Kepa, qui dans les jeux aériens ne prend pas de risque, et d'ailleurs c'est un défaut qu'a le gardien espagnol de ne jamais sortir comme le fait Thibaut Courtois pour assurer sa défense, il va sans arrêt boxer les ballons. C'est bien, mais tu ne fais pas euh, évacuer le danger, tu ne fais pas partir le danger, puisque si un joueur de Giron ou un autre adversaire récupère le ballon, il peut te remettre un centre dans la foulée. C'est la limite de Kepa. Et puis. Sur cet extérieur à la Modric de Jude Bellingham. Le Real qui va ouvrir le score grâce à Rossellou. Ouh, et Rossellou, mine de rien. Quelle opération on a fait avec ce mec-là. Il, il avait marqué quand même 17 buts l'an passé avec l'Espagnol dans un club qui n'est pas du tout dominant. Je ne sais pas combien il va s'arrêter. Mais les stats sont là. Pour l'Espagnol, regardez-moi ça. Rossellou a marqué lors de chacune de ses 4 dernières titularisations en Liga avec le Real Madrid. C'est pas rien. Alors, je sais pas pourquoi ils ont mis. Alors, c'est la traduction d'Optam, ils ont mis le mot traîner, j'ai pas compris pourquoi. Mais en tout cas, voilà, à chaque fois qu'il est titulaire en Ligue avec le Real, ça se termine en but. Alors, c'est vrai que le gardien, euh, on va dire, fait une petite erreur de main. Néanmoins, il est toujours présent au bon endroit, au bon moment. Il avait manqué de réussite dans certaines de ses euh, dernières rencontres. Ben là, il va débloquer une situation ultra ultra compliquée, puisque le Real n'avait pas la balle. Il y avait 70% de possession pour Giron, 30% pour le Real Madrid, des occasions qui s'enchaînaient pour les catalans. Et là, avec ce but-là, tu les as calmés direct. Direct parce qu'ils étaient obligés de prendre plus de risques offensivement. Ça a laissé beaucoup plus d'espace aux joueurs de Carlo Ancelotti. Et vous allez le voir juste derrière, le Real qui a vite mis le 2-0 sur un coup de pied arrêté qui plus est. Premier but d'Aurélien Chouameni avec le Real Madrid. Très content pour l'ancien Girondin qui habitait à côté de chez moi. Donc très content pour lui parce qu'il fait toujours sa célébration comme ça. Et il débloque le compteur et c'est mérité parce qu'il a marqué avec l'équipe de France. Il a beaucoup tenté, notamment avec des frappes de loin avec la Casablanca sans succès. Et là, il vient mettre un but sur coup de pied Et ça, c'est intéressant. Alors, il y a une erreur de marquage de la défense de Giron, certes. Mais je vous disais que. Malgré les grands, les grands gabarits qu'avait le Real, qu'a le Real dans son équipe, à Rossellou, Bellingham, Chouameni, Rudiger, ben je trouvais que sur les coups de pierre été, on n'était pas si performant que ça. Notamment offensivement. De marquer aujourd'hui un 2-0 dans un match qui est compliqué contre le leader, utiliser et profiter des coups de pierre été pour marquer, c'est top. Franchement, très très content. Et puis, on a Jude, Hey Jude, qui marque... Encore une fois, euh, en Liga, le gars, je l'ai mis sur Twitter, me fait penser à Cristiano Ronaldo en 2009. Il a vraiment l'adaptation Made in Ronaldo en 2009. Euh, décisive à chaque rencontre. Impactant. Euh, C'est encore lui qui fait la passe décisive donc, sur Rossellou. Il marque le but du 3-0. Et on voit la célébration de Carlo Ancelotti comme ça. Parce qu'il sait qu'à ce moment-là, que le match est définitivement plié. Alors que si tu prends un but, euh, une réduction du score à 10 minutes de la fin... Bah, tu peux toujours avoir une équipe qui recule, une équipe qui gagne confiance, et finalement, bah, c'est déjà arrivé que des équipes arrivent à revenir comme ça. Là, 3-0, tu sais que tu as plié le match et que tu passes leader de la Liga. Donc, Rossé-Le euh, Bellingham, encore une fois, vient euh, ajouter une statistique. Vous le voyez, alors je vais décaler mon téléphone. Mais c'est le joueur le plus productif dans la Liga 2023-2024. Alors, il est décisif autant de fois que, que Lewandowski, le, le, le joueur du Barça, mais il a marqué plus de buts. C'est pour ça qu'il est premier du classement. 6 buts, 2 passes décisives, alors que Lewandowski, le polonais, c'est 5 buts et 3 passes décisives. Adaptation éclair pour l'anglais. Incroyable. En plus, j'adore sa célébration. J'adore la rage qu'il met. Qu il confirme que finalement. Bah, vous le critiquez ce 4-4 de diamant, mais si on repasse à un 4-3-3 et que ça éteint définitivement Bellingham, bah moi je préfère qu'on garde un 4-4-2 parce que l'anglais s'éclate. Ah oui, il y a des inconvénients. T'as pas un Rodrigo qui est performant, t'as pas un Vinicius qui est performant, mais t'as quand même 4 milieux de terrain qui se retrouvent très bien. Et je trouve que ça reste une force d'avoir ce milieu à 4 qui a plus ou moins la possession dans ses rencontres et surtout la domination territoriale. Je voulais dire un mot sur Kamavinga, euh, m'attarder sur lui puisque c'est selon moi l'homme du match. Ça fait 3 ans qu'il est au Real Madrid. Comme je le disais en début de vidéo, il avait des problèmes dans le jeu sans ballon. Avec ballon, il a toujours été un surdoué. Donc il euh, n'y avait rien à dire de ce côté-là. Ça devient un des patrons du Real Madrid. Parce qu'en fait, depuis le début de la saison, donc là il entame donc sa troisième saison, il n'y a pas de mauvais match de Kamavinga. Il peut jouer devant la défense, à la place de Chouamini. Il peut jouer dans ce poste de milieu centre-gauche. Il peut jouer arrière-gauche. Il peut même jouer, j'ai envie de dire, milieu offensif. En fait, il est capable de jouer absolument partout parce qu'il a cette capacité technique, cette finesse d'être au-dessus de la moyenne. Et en plus de ça, avec l'expérience qu'il a gagnée au Real Madrid, bah maintenant, en fait, il est capable d'absolument tout faire, d'être placé au bon endroit, au bon moment. Il a un coffre énorme. Ce qui veut dire qu'il peut être au four et au moulin en défense et en attaque. Et franchement, 35 millions d'euros, c'est un coup magistral signé Florentino Pérez. Et euh, apparemment, il serait en train de prolonger son contrat et j'espère qu'il continuera le plus longtemps possible son aventure avec la Casablanca. Un mot sur Roselo également. Parce que c'est donc son quatrième but ce soir. C'est le deuxième meilleur buteur du Real Madrid derrière donc Jude Bellingham. Au-delà euh, du fait qu'il marque. C'est que je trouve qu'il est toujours bien placé. Alors évidemment, il n'a pas la technique d'un euh, comment je pourrais dire d'un Ronaldo euh, le Brésilien, d'un Benzema, vous voyez, il est un peu rustre comme attaquant, mine de rien, il pèse sur les défenses, il mesure 1m94, il est présent dans le jeu à rien. il a ce ce rôle d'attaquant pivot qui permet au Real de faire monter le bloc. Je trouve, j'ai pas envie de le dire indispensable mais presque. En fait, j'imagine pas une attaque maintenant sans lui. Et j'imagine pas une attaque par exemple avec Vinicius Rodrigo. Parce que je pense qu'il va falloir Rodrigo Roselou ou Vinicius Rodrigo. Histoire d'avoir un appui. Voilà ce que j'avais à dire sur Roselou. Je suis très très content de son adaptation. Pour un joueur qui est prêté par l'Espagnol. Avec une option d'achat de 500 000 euros. Autant, euh, autant vous dire que je serais extrêmement déçu si le Real ne venait pas l'acheter en fin de saison. Et puis donc un mot sur Vinicius. Qui est selon moi le flop de cette rencontre. Je vais pas lui tomber dessus. Parce que pour moi, la priorité, c'est qu'il retrouve du temps de jeu, qu'il retrouve une dynamique, un rythme. Hein, il a une blessure de 4 semaines, c'est toujours compliqué de revenir. Maintenant, c'est vrai, à l'instar de Rodrigo, il va devoir vite marquer pour retrouver de la confiance. Parce que je trouve que dans ses choix, ok, physiquement, il n'est pas prêt, ça se voit. Mais dans ses choix, ça, ça n'a rien à voir avec le physique. Je trouve qu'il y a un manque de confiance, parfois un manque de lucidité. Et. Attention, il ne faut pas que ça traîne trop longtemps ce, ce forêt qu'ont les deux Brésiliens en attaque. Oui, ils ne sont pas dans leur poste de prédilection, mais quand même. Les momentum, bon, vous le voyez, c'est une rencontre qui a été plutôt équilibrée au final. Le Real a été efficace dans les deux surfaces. Et c'est ce genre de match qui va te permettre de gagner une Liga. Parce que peut-être que l'an passé, tu aurais fait match nul ici. Tu aurais encaissé un but et là. Là, tu vois ce soir que tu as un Kepa efficace sur sa ligne. T'as un Rossellou qui marque à sa première occasion. T'as un Bellingham qui est encore euh, passeur décisif et buteur. C'est ce genre de rencontre qui va te permettre de gagner une liga. Au niveau des, des statistiques, euh, le Real qui a vite repris le monopole du ballon, parce que je rappelle qu'au qu bout de 20 minutes de jeu, il y avait 70% de possession pour les Catalans. Là, on est sur quelque chose de, quand même, de très équilibré. 52-48. Et vous le voyez, et cette statistique, elle n'est pas à, à réduire. Il y a quand même 7 frappes cadrées sur 13 côté Real Madrid. Pourquoi je vous dis ça Et 12-3 pour, pour, pour Giron. Pourquoi je dis ça Parce que lors des derniers matchs du Real, on avait des statistiques avec un ratio tel que 25 frappes, 4 cadrées. 30 frappes, 6 cadrées. C'était quasiment un cinquième des frappes qui étaient cadrées. Ce soir, on est à plus de 50%. On est allé à 55-60%. Ce qui est bien. Ce qui est même très bien. Donc très content euh, du, euh, du match de ce soir. Voici mes tops. Et il n'y aura pas de surprise. Encore une fois, c'est le milieu de terrain qui est la force de ce Real Madrid. C'est pas la défense. Ce n'est pas l'attaque. C'est le milieu de terrain. Donc Chouameni, Kamavinga, Bellingham sont mes tops. Au niveau de mes flops, donc j'ai mis Vinicius. J'ai mis Valverde que je trouve toujours un ton en dessous des trois autres milieux. Je trouve qu'il n'est pas assez impactant comme l'année dernière où il, où il était aérien, il volait sur le terrain, il marquait beaucoup. C'est vrai que ce début de saison, il est un peu timide pour l'Uruguayen. Et j'ai qui prend un carton rouge totalement idiot dans les arrêts de jeu. Alors que tu mènes 3-0, que tu es sûr de remporter la rencontre. Et tu vas mettre en difficulté ton club puisque tu n'as pas là-bas, tu n'as pas Militao. Donc il est possible que lors du prochain match de Liga, on se retrouve avec un Rudiger plus un joueur du Castilla ou Chouameni en défense centrale. C'est pas normal. Tu es le capitaine du Real Madrid. Tu n'as pas à agir comme ça. En plus, je crois qu'il a blessé euh, gravement le joueur de Giron. Et ça, c'est quand même très malheureux. Au niveau du note, des notes du match, bah, ça va un peu rejoindre finalement ce que j'ai dit. C'est-à-dire un Bellingham qui est, euh, bon, qui est noté homme du match parce que c'est vrai qu'il a une passe et un but. Mais moi, je mettrais quand même Kamavinga qui, selon moi, n'est pas assez noté ce soir. Il méritait au moins un 8. Kepa était bon. 7,4. Ok, même s'il si ne me rassure pas énormément. Roselou, euh, 8,7. Je confirme. Cross a été bon, 7,9. Et j'avais mis aussi une mauvaise note à, à Rudiger. Parce que je trouve qu'en première mi-temps, il est pas loin de provoquer un pénalty qui peut relancer la rencontre. Attention à Rudiger. Son agressivité excessive peut parfois mettre en difficulté le Real Madrid. Voilà les amis pour ce débrief. Donnez-moi vos tops, vos flops. N'hésitez pas à liker la vidéo parce que c'est une grosse victoire et on est leader. Et je vous dis, on est quel jour samedi à lundi pour l'avant-match Napoli, Real Madrid. Passez un beau bon week-end les amis et ce soir 23h Dumbé-Zébo sur RMC, ça va envoyer, c'est le main event du PFL et j'ai hâte. Gros week-end sport. Ciao les amis